Bonjour, je vais désormais vous présenter ce que je vais appeler le scrap A4. Effectivement, le scrapbooking, quand on a beaucoup beaucoup de photos, ça peut revenir très vite, très cher. C'est le cas pour moi, je fais développer toutes mes photos, je les travaille sur du papier A4 et ça me permet de pouvoir les classer dans des feuilles plastiques, dans des classeurs, ce qui revient moins cher. On peut le travailler aussi de cette façon-là avec des enfants et le principe reste le même que le scrapbooking avec un format simplement un petit peu plus petit. Donc, on a déjà vu une série de présentations avec des pages scrapbooking en forme géométrique, notamment les carrés. C'est ce que j'ai travaillé sur cette page-là, donc petit souvenir de nos vacances. Là, il n'y a que des paysages. Voilà, donc le même principe, hein. On a du papier scrapbooking, des chutes de papier qui sont découpées en petits carrés, soit à la main, soit à la perforatrice. Fait à la perforatrice des marguerites de différentes tailles, de différentes couleurs qui sont superposées, avec pour finir un petit sticker en forme de fleur. Voilà, donc c'est tout bête, c'est tout simple, et puis ça nous permet de faire beaucoup de pages en travaillant recto verso, sachant qu'on peut aussi travailler avec du papier scrapbooking qu'on redimensionne au format A4.